Yo tout le monde, et aujourd'hui eh bien on se retrouve pour la traditionnelle vidéo de rentrée bien improvisée et tout, la vidéo news. Enfin bon, vu que j'ai fait beaucoup de vidéos news, je pense que l'improvisation ça devrait passer. Yo tout le monde, aujourd'hui, après un milliard d'autres vidéos sur Halloween, voici un truc extrêmement original, l'édition spéciale Halloween. Bien, aujourd'hui, je suis passé sur Vimeo, puisque vous le savez, plus je vais sur YouTube, plus je vois que ça devient de pire en pire. Enfin, ne vous réjouissez pas trop, puisque, comme vous le savez peut-être pas, eh bien sur Vimeo, tout est... on dirait c'est la Corée du Nord. Enfin non, mais non. J'ai rien dit. Enfin, ce que je veux dire, eh bien, c'est que c'est très strict, les droits d'auteur. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de faire de jeux vidéo, vous n'avez pas le droit de reprendre du contenu, même libre, d'ailleurs. C'est incroyable. Donc, eh bien, tout simplement, j'ai envie de dire, on va voir si ça va passer ou pas. Alors déjà, on doit mettre les choses au clair. Je ne peux pas faire un chef-d'œuvre avec ces images-là. Par contre, avec un minimum de travail au tournage, eh bien, on peut faire quelque chose de potable. Même assez bien. Une fois qu'on a une image potable, eh bien, on va pouvoir dérouler les 9 étapes. Bon, après le beat que j'ai fait, eh bien, parlons de voyage, de soleil, du bon temps, de l'eau, avec un voyage dans les catacombes de Paris. Enfin, un voyage, voilà. En fait, déjà, pour pouvoir aller à ce voyage, eh bien, il faut rédiger une lettre de motivation. Salut les kids. Bon, sérieux, arrêtez de me faire manger des cheeseburgers tous les jours. Je vais finir par... Monsieur, je crois qu'on va rendre l'antenne. On a un petit problème technique, là. Bon, on reprend le tournage. 3, 2, 1, action. Salut les kids. Je suis le méchant lapin farceur. Et aujourd'hui, je vais faire une blague. Je vais cacher à un autre endroit les deux œufs que les autres doivent rechercher. Comme ça, petit enfant et compagnie ne seront pas contents. Alors salut les kids. Et voilà les œufs. Regardez, ce sont des œufs super lourds. Il y a plein de quenouilles dedans. Voilà, j'ai cité à peu près tout ce que j'applique moi-même sur mes vidéos à moi-même. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, eh bien, regardez ce petit diaporama qui est fait à partir de ces images-là. Ah, c'est tout pour aujourd'hui. Par exemple, allô en Australie, un pays très très connu pour ses trucs exotiques. Bon, pour pas vous le cacher, eh bien, un serpent ultra mortel, dangereux et tout ce que tu veux, eh bien, c'est réfugié dans un sapin. Ça, ce n'est pas très grave. C'est surtout que l'Australienne n'avait pas eu peur du tout. Genre, ça serait la fin du monde, ça, elle n'aurait pas peur non plus. Bon, eh bien, c'est très bien. Un premier truc de génialissime. Tu as bien compris. Personne ne doit toucher à la machine à transformer en bébé. D'accord, mais peux-tu m'aider à tondre mes petits moutons? Mais attends, moi j'ai plein de choses à faire. Je dois faire pipi et après... je dois encore faire une deuxième fois pipi et alors... tu vois là, je suis trop occupé, alors ciao. On commence, oui, il faut commencer un jour à la préhistoire. On va parler de l'histoire de l'économie. Là, c'était simple, il y avait les premiers objets à vendre. Les objets, voilà. Et aussi des armes, la bouffe, etc. Bref, ici, il n'y a pas de bourse, d'ouverture, de fermeture et tout ce bordel. Ensuite, toujours à la préhistoire, on a le néolithique. Là, il y avait la naissance du premier grand secteur de travail, l'agriculture. Oui, l'agriculture, ça date de la préhistoire. Il y avait aussi la naissance de la propriété et des terres. Oui, car avant, eh bien, un objet, ça appartenait à la tribu tout entière. Et les terres, voilà. Enfin, le néolithique, c'était quand même une grande époque. Et on n'a pas fini, changeons de période et allons à l'antiquité. Alors déjà, pourquoi vendredi 13 et pas jeudi 24 ou mardi 5? Eh bien tout simplement parce que dans notre calendrier, le calendrier grégorien, on dit ça comme ça, eh bien le vendredi 13 est le jour qui tombe le plus dans l'année. Il y a moins de jeudi 13, il y a moins de mercredi 13, etc.